quand tu tombes. Aide-moi. Peut-être que les gauchos étaient un mélange de tout cela. Ces soirées-là, c'est qu'en fait, elles sont quand même dans un lieu, à Pôle Sud. Il y a quand même toute une histoire concernant un petit peu les relations avec différents pays, puisque à Pôle Sud, il y a beaucoup de comptes français, beaucoup de migrants qui ont passé ici. On a fait un travail associatif assez important avec des associations étrangères, des associations écologiques, d'autres types d'associations. Ce qui fait que c'est aussi un peu ceci qui nous a poussé à organiser ce genre de soirée, c'est que ça représente aussi quelque chose d'important dans ce lieu qui est Pôle Sud. Et la possibilité vraiment de voir des spectacles, de la danse, je veux dire, de la peinture, des personnes qui nous racontent des voyages, je trouve que c'est magnifique. Bueno, basta mirar la programación. El cine africano, las experiencias de danza, las experiencias que hacen, las jornadas que están haciendo sobre la integración de los inmigrantes. Precisamente, son todas experiencias y todas manifestaciones culturales que abren el abanico, que brindan mayores posibilidades a la gente de conocer, de ponerse en contacto. Yo creo que no hay que tratar de limar las diferencias, sino que hay que centrarse en las diferencias, porque al centrarse en las diferencias, uno abre la mente y puede comprender al otro. On se rend compte qu'il y a quand même énormément de clichés. Donc ces clichés, c'est extrêmement difficile de les casser. Alors nous, on essaie par ces soirées, je pense quand même un petit peu d'aller au-delà, la première vision que les gens peuvent avoir sur l'autre. Mais c'est pas facile. Pôle Sud, oui. Je l'ai connu à travers la soirée qu'il y avait ce soir, j'en avais entendu parler. Mais je suis venu parce qu'il y avait une soirée à thème ce soir. D'accord, et le thème alors vous touchez particulièrement Je suis d'origine iranienne, donc forcément vous savez. Oui. Convaincu de la justesse de ses objectifs, Azhar Jalili a créé il y a 8 ans Emdat Koudak. La principale activité d'Emdat Koudak consiste prioritairement à parrainer des élèves et des étudiants. Emdat Koudak soutient les écoles iraniennes pour les aveugles et les sourds. Emdat Koudak fournit de l'aide en cas d'urgence, par exemple lors de tremblements de terre à Abam en 2003. Je pense que ce qu'ils font, c'est tout simplement génial. Parce que de passer au-dessus des besoins matériels et de consacrer de son temps pour améliorer une situation où, dans un premier temps, on peut se sentir finalement assez petit quand on voit l'ampleur de ce qu'il y a à faire, mais de quand même se lancer, de commencer à faire des choses. Et puis on a bien vu que maintenant on parle de 28 000 associations, des ONG qui font le même type de travail, donc ça sert à faire des choses, même en petit, à petite échelle, quand on les met ensemble, ça peut faire du bien. Parce que j'ai trouvé les gens à Boucher très très sympathiques. C'est un travail pour moi, mais je sais pas, de photo. De la vie quotidienne à Boucher.
Mais cette soirée-là, elle m'intéressait particulièrement parce que je voyage en Iran. Je voyage en Iran chaque année depuis 3 ans. J'étais intéressé de rencontrer des Iraniens qui vivent en Suisse. J'ai trouvé que c'était relativement bien composé, c'est ce mélange de discours, de vidéos. J'ai trouvé que la vidéo était vraiment émouvante, d'autant plus quand on est peut-être plus touché par une culture qu'une autre. Après, il y avait tous les gens qui posaient des questions, ils nous ont donné de nouvelles idées. Par exemple, qu'ils ont aussi un bazar en Nowruz, qu'on avait dit, le bazar qu'on a à Zurich à l'occasion du Nouvel An, qu'ils ont le même ici. Et puis, il y a de nouvelles idées, on pourrait faire la publicité. Ça nous a donné de nouvelles connaissances aussi. Très bien passé, on s'est senti vraiment soutenu par Côte-Sud. Ça nous a soulagé vraiment pour nos préparations. Ah oui, d'accord, c'est vous qui avez fait la pièce aussi. J'ai acheté seulement les parties métalliques. Ah oui. Aussi j'ai acheté des bois. Ah oui. On est là, on la gère avec ces personnes, on regarde qui fait quoi, on essaie de l'animer, en tout cas de faire que le public réagisse, qu'il y ait un débat qui s'installe. J'apprécie justement quand les gens peuvent rester plus tard, c'est le moment de se rencontrer, de parler, de faire connaissance un peu. La chaleur nous accompagne toujours avec un match de bonne musique. Une chose que je ne regrette jamais, c'est la quantité de matchs qu'on a vu pendant ces voyages. Le conducteur a parqué le bus, qui nous a dit un moment pour saluer le Citoquil et on continue le voyage. A rezarte desde muy lejos, gauchito Gil. No encuentro el modo de sosegarme lejos de aquí.
La tierra tira y estoy de vuelta. Extraño el pago y me duele el alma. Santé a todo el mundo, merci. Que se oye el correntín, nacido allá en puro su cuartel, donde los vientos se vuelven cantos. Mira, la primera vez que pasé por Corrientes con un amigo en 1996 me mostró el Gauchito Gil. Yo no lo conocía y me gustó mucho el colorido, la fiesta popular, la cantidad enorme de gente que va, que es devota del Gauchito Gil. Y luego con los años empecé a ver en todas las rutas del país, a los costados de los caminos y de las rutas, pequeños santuarios. Velas rojas, trapos rojos, banderas rojas, y ahí lo asocié. Y bueno, y una vez me paré en un santuario y era efectivamente una imagen del Gauchito Gil. Trabajos porque es un ámbito natural para exhibirnos. Por el perfil que tiene, todas las manifestaciones culturales que se dan tienen que ver con, podríamos decir, el reconocimiento y la sensibilidad del otro. Es decir, al tratar de presentar al otro se lo integra. Entonces es un lugar en el cual diversas culturas, diversas experiencias de distintos lugares tienen un lugar común para expresarse. Y es un lugar de confluencias, es un lugar de encuentro, es un lugar en el cual las distintas culturas, las distintas sociedades pueden expresarse naturalmente. Hace que 8 ans qu'on travaille, ça fait 3-4 soirées qu'on fait, le vendredi, mais il y a d'autres soirées qui se déroulent à d'autres moments. Et chaque fois qu'on vient à une soirée, il y a une autre atmosphère. C'est également un lieu à quelque part magique, puisque les gens peuvent s'en emparer, se remodeler à. Voilà. C'est bien, c'était pas très grand, alors c'était vraiment, on se sentait proche du public et puis c'était assez agréable aussi pour parler. Ce que je pense de ce lieu-là, il est simplement parfait par rapport à ce que je recherche, l'esprit sac à dos, routard. J'aurais l'impression que si j'allais dans une galerie établie, ce serait trop chic par rapport à l'esprit routard, sac à dos. Et ici, je retrouve cet esprit-là de rencontre dans des petits hôtels ou dans des loges, etc. Ce voyage-là, c'est un voyage qui me tenait très à cœur. C'était, comme le nom l'indique, c'était d'aller voir l'Everest. Et puis, ces noms magiques qui résonnent comme Katmandou. J'avais envie d'aller voir tout ça, les Annapurna aussi. L'idée, c'était toujours d'aller peindre les gens dans la vie de tous les jours. Et puis, s'il y a des paysages qui sont là en milieu, d'avoir le plaisir de les faire. Donc, le voyage lui-même, je suis d'abord arrivé dans la région de Katmandou. Et puis, dans cette vallée de Katmandou, je suis resté quelques jours. Après, je suis parti à Pokhara, un peu plus loin là-bas, pour aller voir le massif des Annapurna. Je peux rester une journée sur une place que je vous montrais à la fin pour me laisser emporter par les différentes rencontres que je fais à ce moment-là. Si je partage ce genre de voyage, c'est que je voyage seul, pour pouvoir être vraiment libre de m'asseoir où je veux, de pouvoir, dès que j'ai une inspiration, de pouvoir l'assouvir, et puis ça devient une aquarelle. Et puis, alors je suis seul, je voyage seul, même si je rencontre beaucoup de gens, du reste c'est le thème de ce genre de soirée, c'est ces rencontres que je fais autour de l'aquarelle.
Et puis, j'ai pas trop l'occasion autrement de le partager avec mes amis ou mes connaissances. Et c'est exactement l'occasion, dans un lieu comme ça, de pouvoir partager ses émotions. Et en fait, ces pagodes sont généralement posées sur des socles. Ces socles avec des gradins. C'est un point de vue pour observer les gens qui est très agréable, qui est très utilisé par les touristes, mais aussi par les locaux qui passent des longs moments à discuter de leurs histoires. Et la vie s'écoule assez tranquillement quand on prend le temps de s'arrêter. Et une fois qu'on prend le temps de s'arrêter, en fait, les gens viennent aussi vers vous. Et ça m'a amené aussi quelques jolies rencontres de gens qui ont vu que je m'arrêtais, qui après un moment sont venus vers moi discuter. Et ça fait partie de ce type de voyage. Par rapport à cette région du monde, là, le Tibet, l'Himalaya, c'est sûr que ce sont des points qui sont assez connus, surtout l'Himalaya, oui, les aquarelles sur l'Himalaya, c'est quelque chose que j'avais envie de voir. Et puis bon, je ne savais pas qu'il y avait la danse du Tibet, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Alors le public ce soir, alors il y a une partie que je ne connais pas, parce que c'est le public Pôle Sud qui vient régulièrement, qui suit Pôle Sud. Et puis oui, bah, il y avait une partie des amis à moi, il y avait aussi des relations professionnelles. Et c'est toujours intéressant qu'ils découvrent un aspect de ma personnalité. Alors il y en a certains qui me suivent régulièrement. Et puis il y en a d'autres qui, c'est la première fois qu'ils me voient comme ça. Alors moi je suis ingénieur civil, alors tout d'un coup parler de ce genre, parler d'émotions, parler d'échanges, ils sont un peu surpris de découvrir une autre facette de ce monsieur-là. Quand je suis en train de monter l'expo, je revis mon voyage. C'est quelque chose d'assez étonnant. Mais c'est intéressant, c'est mieux que les photos, parce que vous avez une expression de votre... personnalité, de votre mémoire de ce moment, oui. Ouais, c'est vrai. Alors, mieux, c'est différent. La chose qui est vraiment différente, c'est que je passe du temps avec les gens. Mm-hmm. Et les gens se sentent gratifiés que quelqu'un passe du temps avec eux et s'intéresse à eux. J'arrive à les faire rêver. Ce soir, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah ben, on a voyagé avec toi ce soir, c'était fantastique. » Alors, voilà, puis moi je suis quelqu'un de passionné, puis j'aime bien partager mes passions.